Santiago Bernabéu, 6 janvier 2013. José Mourinho est devenu persona non grata à Madrid. Pourquoi ? Une année 2013 qui est partie pour être compliquée pour José Mourinho. En effet, en ce moment, à Madrid, c'est un peu peur sur la ville, ou plutôt peur sur le Real. La faute à l'entraîneur portugais qui a décidé de se battre quasiment contre le monde entier. Joueurs, presse, institutions, personne n'échappe, ou presque, au courroux de Mourinho. Relégué à 15 points de Barcelone en championnat, le Portugais n'est plus le même, moins en contrôle qu'auparavant. Pourtant, ce contrôle de la maison madrilène, il l'avait obtenu en chassant habilement le directeur sportif Jorge Valdano ou encore en utilisant Zinedine Zidane pour se donner une image lisse et propre. Mais voilà, Mourinho a commis l'irréparable aux yeux des socios. Après avoir écarté un temps Sergio Ramos, qui avait osé critiquer le Portugais, cette fois il a touché à l'intouchable Iker Casillas en le mettant remplaçant. Pour les supporters madrilènes, la ligne blanche est franchie. Pourquoi t'as mis Casillas sur le banc? Tu ne peux pas faire ça. C'est le capitaine de Madrid et de la sélection espagnole. Tu veux faire un bras de fer avec Madrid, mais tu vas perdre. Mourinho, casse-toi. T'es en train de détruire l'institution du Real Madrid. Allez, c'est bon. Mettons-le par terre. À croire que José Mourinho le fait exprès pour partir rapidement du Real. Car regardez le visage de Florentino Pérez lorsqu'il apprend fin décembre que Casillas, une institution dans l'institution, est remplaçant. Cette semaine, le Portugais fait un pied de nez, cette fois à la FIFA. Il ne se déplace pas à Nyon pour la cérémonie du Ballon d'Or alors qu'il est nominé. À la même heure, il regarde son fils à l'entraînement à Madrid. Vicente Del Bosque en profite pour le tacler indirectement. Une petite réflexion. On veut tous gagner, on veut tous la même chose. Mais je pense que nous sommes aussi dans l'obligation de défendre le football, de l'aimer, de le protéger et d'avoir une conduite personnelle irréprochable. Vendredi, José Mourinho est présent à l'entraînement, mais pas en conférence de presse, alors que nous sommes veille de match. C'est donc Gonzalo Higuain qui s'avance devant les journalistes avec un discours évidemment bien huilé. L'équipe est totalement unie et derrière le coach. Il a un contrat au Real Madrid et personnellement, je pense qu'il va rester. Nous sommes allés également rendre visite à l'un des meilleurs ennemis de José Mourinho pour mieux comprendre le personnage saisissant. J'ai sorti l'info comme quoi il n'y avait plus de relation entre Mourinho et ses joueurs. Alors quelques jours après, un membre du club a prétexté que l'entraîneur des gardiens voulait me voir. Quand je suis arrivé dans la pièce, il y avait également José Mourinho, son adjoint Luis Campos et trois personnes de la communication du Real. Au cours de la conversation, José Mourinho m'a dit « Dans le monde du football, mon staff et moi, nous sommes au top. Toi, dans le monde du journalisme, t'es une merde. » Il voulait savoir qui était mon informateur, car c'est ce que craint le plus Mourinho. Après avoir réussi à se mettre tout le monde à dos en Espagne, il est clair que Mourinho va partir, soit en mars après une éventuelle défaite en Ligue des Champions, ou en juin. Trois pistes possibles. Manchester City, mais Guardiola tient la corde. Chelsea, sauf qu'Abramovic ne veut plus du portugais. Alors comme nous vous l'annoncions il y a trois semaines, le PSG reste l'option la plus viable. Oui, mais voilà, avec Mourinho, on n'est jamais à l'abri d'une dernière pirouette. Souvenez-vous de ce qu'il déclarait il y a deux ans sur notre antenne. À la question si un jour vous deviez entraîner une équipe française, ce serait Paris ou Marseille? Monte Carlo.